Mesdames et messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver. Vous savez, nous sommes le 5 mai 2019 et c'est votre émission Le Décryptage qui s'installe chez vous dès à présent. Merci pour la fidélité toujours renouvelée et pour l'exercice ce matin. Nous allons faire un retour sur les différentes phases du processus électoral, également la phase post-électorale. Nous en parlerons, les perspectives justement avec deux personnalités, hein, deux citoyens, on pourrait également le dire, qui ont des titres divers. Je voudrais vous présenter le premier, Antoine Adoukono. Il est acteur politique. Bonjour à vous. Bonjour, monsieur Romuald. Vous partagez ce plateau avec notre consultant politique à ETélé, Agapit Napoléon Maforekan. Bonjour. Bonjour, Romuald. Bonjour, téléspectateur. Monsieur Adoukono a été presque également consultant parce que tout acteur politique, c'est quelqu'un qui est resté tout le temps durant tout le processus avec nous. Je pense que on a partagé au moins ces instants ensemble, pratiquement. Tout à fait. Et le processus électoral, avant d'en parler, il a suffi que le président Patrice Talon puisse tenir, puisse honorer sa parole. Vous vous rappelez de cette concertation, donc de la présentation des vœux des institutions de la République au chef de l'État. À cette occasion, le président Patrice Talon avait dit que son gouvernement va pouvoir convoquer le corps électoral. Et ça a été fait le 9 janvier 2019. On pourrait dire que Patrice Talon, il honore sa parole, Antoine Adoukono. Oui, bien sûr, il honore sa parole, mais c'est beaucoup plus, il est en train de respecter le test. Parce que la convocation du corps électoral est prévue par le code électoral, en son article 69, qui dit qu'il faut convoquer le corps électoral 90 jours avant la fin du mandat de la législature en cours. Et donc, le président Patrice Talon est resté dans la logique du respect des tests. Et a donc convoqué le corps électoral. Il y avait des voix qui s'élevaient, qui estimaient que, oui, surtout au lendemain, après cette proposition d'amendement constitutionnel, que le gouvernement du président Patrice Talon ne voulait pas organiser les élections. Et il a convoqué le corps électoral le 9 janvier 2019 à la faveur donc, du Conseil des ministres. Oui, je pense que M. Adoukono, le président a voulu respecter les tests, tout simplement. Prendre les devants des situations pour ne pas laisser libre cours à des commentaires ou à un certain nombre de comportements qui tendent plutôt à le faire passer comme celui qui ne veut pas organiser à bonne date les élections. Vous avez bien rappelé cet épisode donc de tentative de révision de la Constitution, notamment au niveau du Parlement, qui n'a pas fonctionné. Et donc, en convoquant le corps électoral très tôt, hein? Mais dans la logique des textes en vigueur, le président a voulu couper court à tout, commentaire, à toute expectation qui pourrait être faite, hein, de certaines hésitations. C'est un peu ça. Et donc tout simplement, il a voulu respecter les textes. Je pense que c'était le premier signe fort qu'il a eu à donner en début de cette année. Et qui n'a pas peut-être pu être perçu très vite par les différents acteurs politiques. Deux instruments juridiques devraient être expérimentés à l'issue des législatives du 28 avril 2019. Il s'agit donc de la charte des partis politiques et du code électoral. Des polémiques sont nées. Antoine Adoukono, la polémique par rapport d'abord à la caution que certains trouvaient donc exorbitante, par rapport la polémique concernant le quitus fiscal et justement l'article 242 avec cet alinéa qui concerne les 10%. Pourrait-on dire que c'était des polémiques justifiées? Non, je pense que premièrement, il faut constater que nous sommes en démocratie, nous sommes dans un état de droit et nous sommes dans un ordre constitutionnel donné. Et donc, pour voter les lois à l'Assemblée nationale, il existe une procédure législative. Si la procédure législative est respectée et que la loi subit le contrôle de constitutionnalité, je pense que dès lors, que l'on veuille ou pas, ça s'impose comme loi de l'État. Et ça voudra dire quoi? Que les polémiques soit justifiée ou qu'elle ne soit pas justifiée, une fois que la loi est votée,
ceux qui, pour qui c'est justifié, se mettent en branle pour respecter la loi, et ceux aussi pour qui ce n'est pas justifié, ils se mettent en branle pour respecter la loi, parce que le cadre qui est tracé pour que la loi soit votée, si le cadre a été respecté, on peut faire des polémiques, on peut critiquer, mais pas de nature à en venir à ne pas se conformer à la loi. Maintenant, si on prend les différents aspects, moi j'ai mon avis personnel. Je pense que ces critiques, pour moi, ne sont pas fondées. Parce que il a existé un exposé des motifs de la loi. On n'a pas voté la loi, on ne s'est pas levé un jour pour aller se pointer à l'Assemblée nationale pour voter la loi. La loi a été votée le 26 juin. Mais les débats même ont commencé en février 2018. Et il y a eu des conférences, il y a eu des débats à l'hôtel Azalaï où l'opposition, la société civile, tous ceux qui sont concernés par la réforme ont intervenu et chacun a apporté ses amendements. Ces amendements ont été pris en compte dans la mesure du possible de la volonté du législateur. Parce que la société civile ne se substitue pas aux députés. D'accord ? Les syndicats ne se substituent pas aux députés. Ils donnent leurs avis, mais c'est aux députés qui sont les représentants du peuple que la Constitution a conféré le pouvoir de légiférer. Vous savez que dans la charte des partis politiques, on était parti pour 100 membres par commune. Membres fondateurs. Membres fondateurs par commune. Et donc, c'est après les conciliabules que finalement on est passé à 15 membres par commune. Donc on ne peut pas dire que ces députés, bon, ils ont fait la sourde oreille, sont des godillots, ils n'ont écouté personne. C'est pas vrai. D'accord? Le seuil de représentativité nationale, 10%, on n'était pas parti avec 10%, c'était 20%. Et c'est suite à des conciliabules aussi qu'on est arrivé à 10%, un peu pour dire que il y avait plus de peur que de mal. Vous voyez? Et donc, un premier consensus quand même a été trouvé autour de la loi. Et j'en veux pour preuve, la charte des partis politiques a été votée à la majorité, sauf une seule personne, l'honorable Guy Mitope. Tout le monde, tout le reste a voté la loi. D'accord? Et donc, la polémique qui s'enfle autour des éléments, parce que c'est les éléments majeurs là, que vous avez cités, qui ont contribué fortement à envenimer la situation de crise, les 249 millions dont on parle. Mais on parle de 249 millions, mais il ne s'agit pas de parler seulement de 249 millions. D'abord, il faut préciser que c'est une caution. Il faut préciser que lorsque vous avez 10%, on vous retourne pour 249 millions. Il faut préciser que le législateur a prévu que quand vous avez 10%, qu'on vous rembourse au moins 500 millions de frais de campagne lorsque vous avez au moins 10%. Donc, il ne faut pas seulement prendre seulement 249 millions et dire 249 millions. Maintenant, il faut préciser aussi que le législateur est resté dans une logique de regroupement de grandes formations. Parce que c'est lorsque vous vous isolez et que vous vous retrouvez seul que ça va vous sembler que les 249 millions, c'est pour aller jouer la loterie. Mais si vous acceptez de vous mettre dans de grands groupes, parce que c'est l'esprit de la réforme, la mobilisation des ressources serait plus facile. Plus facile. C'est pourquoi j'ai toujours dit, on ne peut pas comprendre le code électoral en lisant seulement le code électoral. Il faut comprendre la charte des partis politiques qui incite à de grands regroupements. Il faut comprendre le code électoral et il faut entrevoir le projet de loi sur le financement public des partis politiques qui prévoit que 1% des ressources propres de l'État sera affecté aux partis politiques représentés à l'Assemblée nationale. Et avec l'esprit des grands regroupements, c'est qu'on aura au plus 3, 4, 5 tendances. Si vous faites la moyenne, c'est qu'un parti politique peut se retrouver à 1 milliard
ou bien en moyenne à 500 millions par an, fois 4 ans, ça fait 2 milliards, dégager 249 millions au nom du parti n'est pas un problème si on a 2 milliards à gérer pendant 4 ans. Très bien, donc, il faut pas, il faut faire tout, c'est-à-dire qu'il ne faut pas seulement prendre les chiffres, les flanquer à la population. Non, il faut expliquer tout ce qu'il y a autour. Très bien. Et c'est ce que nous faisons aussi ce matin. Antoine Adoukounou, avant de poursuivre, à Capit Napoléon Maforicain, justement, des polémiques, il y en avait eu. La caution d'abord, puis à la suite, le quitus fiscal, puis après, on pourrait aussi le dire, la compréhension, parce que l'article 242 semble confus aux yeux de certains. Aucune confusion. Non, j'ai pas envie de. Je pense que M. Adoukounou a dit l'essentiel. C'est pas la peine qu'on recherche encore ces questions. On les a déjà suffisamment expliquées. Il a dit c'est des. L'opposition s'est mise dans une position de ne pas jouer le jeu. Et si on se met dans cette position, on peut trouver des problèmes partout. Toute loi énonce donc de nouvelles règles. Et toute règle nouvelle a ses contraintes, a ses avantages. Donc on parle du chef de représentativité. Mais ailleurs, les gens doivent aller chercher des signatures. Il faut qu'ils aillent chercher tel nombre de signatures, de tel nombre d'élus. Et parfois, en Europe, en France, les gens cessent d'être candidats à l'élection présidentielle, à certaines élections, parce qu'ils n'arrivent pas à avoir le nombre de signatures de parrainage. Donc, alors, là aussi, on va dire non, comment on peut nous demander 500 parrainages, 200 parrainages, 300. Non, c'est la loi. La proportionnelle, c'est une option. Le scrutin majoritaire qui est en cours aux États-Unis avec le système de grands électeurs, c'est aussi un élément, c'est un système mais qui empêche le suffrage exprimé directement. C'est-à-dire que le système de grands électeurs aux États-Unis fait que lors des élections, de ce type d'élections, c'est les grands électeurs qui sont d'abord élus et c'est eux qui dégagent les électeurs in fine. Donc, vous regardez les élections du président des États-Unis d'Amérique, un État comme la Floride, qui a peut-être 70 grands électeurs, dès qu'un candidat a une voix de plus, c'est lui qui ramasse les 70 grands électeurs. Et ailleurs, des zones non moins grandes, où il a perdu, quand vous faites le point à la fin, comme ça a été le cas avec Hillary Clinton tout récemment, comme voilà. Ce fut le cas avec Al Gore en 2000, vous allez voir que certains candidats, ils ont plus de suffrages exprimés. Ils ont gagné, en termes de un homme, une voix, ils ont gagné, mais en termes de grands électeurs, ils n'ont pas gagné, ils ont perdu. Mais là aussi, c'est une forme de démocratie. Donc, il y a plusieurs systèmes en la matière. Donc, quand le législateur fait un choix, vous êtes dans l'opposition, vous êtes une minorité, vous faites partie de vos voix, mais vos voix, c'est pas parce qu'on n'a pas tenu compte de tout ce que vous avez demandé, que la majorité a été mécanique, Godillot, tout ce qu'on a entendu. Comme l'a dit M. Adoukounou, on est parti de 20% de ceux de représentativité, ils sont revenus à 10%. Même quand on dit 249 millions en termes de caution, mais c'est 3 millions fois 83, si je me trompe. C'est en termes de nombre de députés. C'est 3 millions de caution par candidat, normalement. Fois le nombre, peut-être fois 83. C'est ça qui donne les 49 fois millions. Fois les suppléants. Fois les suppléants, voilà. Donc ça fait 83 fois 2. Oui. Donc, ça veut dire quoi? Que vous payez 6 millions par tête, c'est-à-dire le candidat et le titulaire sont suppléants, ça fait 3 millions fois 2. Oui. Donc, le statut ne s'est pas levé pour dire 249 millions. Ça veut dire que. C'est d'ailleurs 83 millions fois. 83 titulaires fois 3 oui, millions, ça fait, c'est même fois 3. C'est même fois 3. Oui, donc le suppléant peut s'attendre avec son titulaire. Très bien. Et payer les 3 merci. Donc, ça fait 1,5 million par individu. Donc, en fait, à ce moment-là, dire qu'on ne peut pas. Ouais, quand on regroupe tout ça, on dit comment on va trouver 249 millions. C'est trop. Et puis, on vous l'a dit, vous n'êtes pas obligé d'aller seul. C'est là que le achat des partis est un élément important à comprendre dans le dispositif. Donc, mais les gens n'ont pas voulu comprendre. Évidemment, on peut en bémol dire, et c'est là peut-être la suite du processus, le croisement des deux choses. La charte des partis politiques, le code électoral et des élections législatives imminentes n'ont peut-être pas permis d'implémenter suffisamment dans la tête des gens qui n'en voulaient pas déjà le processus lui-même. Parce qu'une fois les textes sont votés, promulgués, on est entré en même temps dans la phase électorale où les gens font déjà la guérilla contre les nouvelles règles et déjà il faut appliquer ces règles en même temps. Donc, ceux qui font la guérilla ont continué leur guérilla et ont empêché que. Et ont noyé. Ce débat sur le 242. Mais n'était pas un.
Le test est tellement simple que vous donnez ça en analyse grammaticale, en analyse logique à un élève, il va vous le sortir. Le test en analyse logique doit pouvoir être passé. Le français, c'est un français pour tout le monde. C'est un français courant qui a été utilisé. Rien n'est compliqué dans ces 242. Mais puisqu'on a cherché des difficultés, puisqu'on veut montrer, c'est-à-dire qu'on est monté en gradation, l'escalade, pour pouvoir montrer finalement qu'il y a une difficulté. C'est ça qui nous a mené à toute la pollution préélectorale. Et la convocation... On peut peut-être comprendre la position des acteurs, de certains acteurs politiques, mais est-ce qu'on peut comprendre la position également de certains, ceux que nous appelons sachants, qui estiment également que ça manque de clarté à cette époque-là? Non, vous savez, ici au Bénin, aujourd'hui, tout le monde est sachant, tout le monde est journaliste, tout le monde est acteur politique, tout le monde est sélectionneur, tout le monde est comme... Vous voyez, tout le monde fait tout aujourd'hui. Donc, du coup, je pense qu'il faut passer. Il faut passer parce que tout le monde faisant tout, il y a trop de confusion. Parce que, comme je vous l'ai dit, cet article, on aura l'occasion, c'est pour, même pour les nuls, même pour les nuls, on n'a pas besoin d'expliquer. C'est-à-dire que, comme je l'ai dit une fois, il y a la collection pour les nuls, que j'aime bien, parce que ça explique les choses les plus simplement possibles. Alors, donc, si on doit même entrer dans la collection pour les nuls, pour expliquer cet article, il n'y a pas grand-chose à expliquer, parce que c'est tellement cohérent. Maintenant, pour ceux qui ne sont pas dans la politique, parce que, je l'ai toujours dit, commenter la chose politique, commenter le droit public, commenter le droit, n'est pas donné non plus à tout le monde. Tout le monde ne peut pas faire un diagnostic en matière de santé. Mais tout le monde pense que le droit est quelque chose de facile parce qu'on peut donner son avis. Comment donner son avis? Non. Quand on va rentrer dans l'exploitation juridique de cette expression, c'est pour ça que je dis que c'est tellement simple à comprendre. Alors, le Benoît lambda peut ne pas avoir bien compris. Parce qu'il se dit, mais c'est quoi encore 10%? C'est quoi 4 listes? C'est quoi? Là, on n'est plus dans la compréhension du texte. On est dans une sorte d'appréhension. Hein, une sorte de doute, une sorte de circonspection. On veut comprendre, mais c'est quoi 4 listes? Est-ce que moi, avec moins de 4 listes, on peut pas aller aux élections? C'est quoi 10%? Donc, ça, c'est pour l'homme, celui qui ne connaît pas, le citoyen lambda. Le citoyen qui n'est pas dans le... Mais il y a ce qu'on appelle les juristes de haut niveau, il y en a suffisamment. Donc, si c'est eux que vous appelez sachant, on doit dire que beaucoup parmi eux ont contribué à noyer le débat, à ne pas bien l'expliquer. Parce que entre leur option à eux, entre ce qu'ils auraient souhaité et l'analyse simple, technique de ce qui est fait, ils se sont mélangés les pédales en ne gardant pas la posture. Ils se sont trompés, même ils se sont mélangés les postures. En journalisme, on dit mélange de genre. Quand vous mettez le fait et vous commentez en même temps, vous mettez votre opinion. Exactement, certains sachants ont mélangé le genre en mettant leur posture de sachant et en faisant la confusion entre cette posture de sachant et leurs propres intérêts, leurs propres analyses, ou bien leurs propres désiderata, ce qu'ils auraient souhaité. Parce que ce qu'on doit souhaiter, en tant que citoyen, il y a quelque chose qu'on souhaite, on souhaiterait, on ne voudrait pas que, non, c'est trop tôt, c'est pas bien, on aurait pu. Ça, c'est le citoyen, ça. Mais en droit, il n'y a pas de ça. En droit, c'est carré. On vous explique, voilà la règle. Et la Cour constitutionnelle dit, moi, je n'interprète que si la situation, j'ai le droit d'interpréter, mais il faut que je sois dans les conditions saisies. Mais saisie en question, ce n'est pas une saisine d'un citoyen lambda. On est dans le droit, on est dans le droit des élections. Et en la matière, la Cour a deux rôles. La Cour proclame le résultat et gère le contentieux. Et tout le contentieux des élections législatives que la Cour constitutionnelle gère commence par le contentieux préélectoral. Or, la répartition des sièges n'est pas du contentieux préélectoral. La répartition des sièges, c'est du contentieux électoral. Donc, du coup, elle ne peut pas déjà opiner sur ce qui n'existe pas. Et c'est ça qu'elle a dit. Donc, ouais, ces notions ne sont pas aussi faciles à comprendre pour le citoyen lambda. Mais quand on a amené le débat sur la place publique, amené ça sur les réseaux sociaux, c'est allé dans tous les sens et ça a eu le mérite d'embrouiller le jeu avant même que le jeu ne commence. Du coup, on a laissé l'essentiel. Et l'essentiel, c'est les formalités. Il va falloir qu'on aille. On a laissé l'essentiel. On est resté sur 242. On est resté sur quittance fiscale. On est resté sur 249 millions. Oui, 249 millions. 350 millions. On est resté sur ces choses-là. Ce qui a fait perdre l'essentiel du débat. Et après, dès qu'il a fallu, dès que le chef d'État a convoqué le corps électoral, on dit, mais attends, c'est des choses législatives. Mais la charte des partis, on doit se mettre à jour. Ah, on a saisi la Cour constitutionnelle. La Cour saisie dit oui. Le fait que la charte
vous donne tel délai pour vous mettre à jour, n'empêche pas que le processus électoral, lui, qui est enfermé dans des délais, ne se poursuive. Et dès lors, si vous avez envie d'aller aux élections législatives, il faut... vous êtes obligé d'être en communion, en harmonie avec la nouvelle charte des partis politiques. Et la Cour a précisé le certificat de conformité. Ce voilà. qui a ouvert une nouvelle piste encore de débat. Très bien. Et justement, puisque vous en parlez, nous allons pouvoir suivre cet élément avant de vous retrouver chez amis, donc chez spécialistes, on pourrait le dire ainsi. Et donc, avant de vous retrouver, nous allons suivre cet élément qui retrace un peu quelques phases ou quelques étapes de cette phase préélectorale. Le 22 janvier 2019, la Commission électorale nationale autonome, en charge de la préparation du processus électoral, a publié le calendrier électoral et les pièces à fournir par les partis politiques pour leur participation aux élections législatives. Entre autres pièces, le certificat de conformité et le quitus fiscal. À l'annonce de cette publication, plusieurs partis politiques se sont vus en difficulté à satisfaire à cette disposition légale. L'article 242, le quota des 10%, prévu par le nouveau code électoral et la nouvelle charte des partis politiques, refaire surface par l'ensemble des partis de l'opposition. Le décret numéro 2019-012 du 9 janvier 2019 portant convocation du corps électoral pour l'élection des députés à l'Assemblée nationale 8e législature n'est contraire ni à la Constitution, ni à la loi numéro 2018-23 du 17 septembre 2018 portant charte des partis politiques en République du Bénin. Article 2. En l'état, la demande de report des élections législatives fixée au 28 avril 2019 est rejetée. Article 3. Les partis politiques dûment enregistrés avant la promulgation de la loi numéro 2018-23 du 17 septembre 2018, portant charte des partis politiques, ont jusqu'au 16 mars 2019 à minuit pour accomplir les formalités de conformité à la dite charte. Article 4. Les partis politiques qui envisagent de se présenter présenter des candidats aux élections législatives du 28 avril 2019 doivent se conformer aux dispositions de la loi numéro 2018-23 du 17 septembre 2018 portant charte des partis politiques à la date fixée pour le dépôt de la liste de candidats par la production d'un certificat de conformité aux dispositions de la charte des partis politiques délivrée par le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique. Le débat se poursuit avec des polémiques au sein de la classe politique. Le 14 février 2019, le ministre de l'Intérieur, Sakalafia, a annoncé qu'il y a au total 10 partis politiques qui ont pu déposer leur dossier de mise en conformité aux nouvelles dispositions électorales. Tous les 10 partis, les 10, 1, 2, 9, 10 partis ont reçu la notification de non-conformité. Certains en 20 pages, d'autres en 45, d'autres encore en 64 pages. D'irrégularité constatée. Après cette sortie du ministre de l'Intérieur, certains partis politiques ont entamé leur démarche pour se mettre à jour, pendant que certains dits de l'opposition expriment leur désapprobation et exigent l'annulation par la Cour constitutionnelle du certificat de conformité. Une montée de mercure qui se démontre par la série de protestations et de sorties médiatiques afin de s'opposer à cette disposition légale. Retour sur ce plateau, le certificat de mise en conformité pour une certaine... le certificat de conformité plutôt pour une certaine classe politique, c'est une nouvelle pièce inventée par la Cour constitutionnelle. D'abord, je dois remercier M. Mafourikan parce qu'il a beaucoup travaillé à la place de nous, les politiques, parce que je l'ai tellement suivi pendant ce débat et il a trop expliqué. Que ce soit la liste 242, tout ce que vous dites là, il a beaucoup expliqué. Mais ce qui est sûr, il y a quelque chose entre accepter la loi et ce que soi-même on pense. Le certificat de conformité, je dis que ce n'est pas une pièce inventée par la Cour.
Je le dis parce que c'est quoi le certificat de conformité? Le certificat de conformité, c'est un papier, c'est la pièce qui montre que vous êtes parti politique vis-à-vis de la nouvelle loi. Pas plus que ça. Ceux qui disent le contraire, c'est ceux qui disent qu'on peut ne pas être parti politique et aller aux élections. Le certificat de conformité, ce n'est pas une nouvelle pièce. Si vous vous référez à l'article 19 de la charte, l'article 19 dit « Le ministre de l'Intérieur juge de la conformité de votre dossier à la loi et il vous dit, délivre un récépissé provisoire. » La pièce qui est citée, c'est « récépissé provisoire » qui n'est qu'un élément synonyme du certificat de conformité. Parce que nous sommes dans le si alors. Si vous êtes conforme, alors vous avez le récépissé provisoire. Donc l'élément qui déclenche le récépissé provisoire, c'est la conformité. D'accord? Mais lorsque vous avez le certificat de conformité, le récépissé provisoire, comme Azané même le dit, lorsque vous remplissez les conditions de l'article 19, il le dit, mais les conditions de l'article 19, c'est la conformité. La loi, on vous donne un résidu provisoire, la loi vous conduit à l'article 24 et vous allez au journal officiel et vous revenez pour avoir votre statut juridique. Et donc, lorsque la Cour parle du certificat de conformité, il faut bien lire d'abord la décision de la Cour. Comme M. Djogwen l'a dit, mais c'est quelqu'un qui a saisi la Cour. Et qu'est-ce que la personne a demandé? De reporter les élections du 28 avril. Parce que l'intéressé estime que les partis politiques ont leur statut juridique jusqu'au 16 mars. Le corps électoral est convoqué par la Sénat entre le 21... Le corps électoral... Le dépôt des dossiers du Ouest. Très bien. Le dépôt des dossiers étant indiqué par la Sénat... Du 21 au 26. Voilà, entre le 21 et le 26 février... Mmh. Le requérant estime que, c'est-à-dire que le requérant même, il est resté dans l'esprit que on ne peut ne pas être parti politique et aller aux élections. Donc le requérant a estimé que, comme les gens jusqu'au 16 mars pour se mettre à jour, que la Cour n'a qu'à les laisser jusqu'au 16 pour qu'ils se conforment d'abord, pour que l'on puisse voir ceux qui sont partis politiques et ceux qui ne sont pas partis politiques, avant que la Sénat ne commence pas demander le dépôt des dossiers. Or, la Sénat même s'est inspirée de l'article 45 du code électoral qui lui impose qu'il doit prendre les dossiers 45 jours avant le premier jour de la campagne. Donc, tous ces éléments réunis, la Cour a estimé que non. Effectivement, il faut être parti politique avant de déposer les dossiers, comme le requérant l'a dit, mais nous estimons que ceux qui veulent aller aux élections, ils doivent être partis politiques avant le 21 là, février là, pour déposer le dossier. Et pour le prouver, il faut que le ministère de l'Intérieur certifie que oui, ceux-ci se sont conformés à la nouvelle charte. C'est là où le certificat de conformité est arrivé. Et la Cour a évité plus d'un, parce qu'il y a un raisonnement que les gens mènent. Les gens disent, on pouvait laisser les gens déposer les dossiers, puisqu'ils ont jusqu'au 16 mars à minuit. Que le 21 février étant antérieur à 17 mars, qu'on pouvait laisser les gens déposer leurs dossiers. On peut le faire. Mais qu'est-ce qui va se passer si les gens déposent les dossiers? Et qu'on constate le 17 mars, par exemple, que les gens-là ne sont pas allés remplir les formalités au ministère de l'Intérieur. La Sénat va demander simplement qu'ils viennent retirer leur dossier. Et ça va créer plus de tollé que ce que la Cour a dit. Donc, la Cour a évité un grand problème en disant que les gens soient d'abord conformes. Et donc, le problème, en fait, n'est pas au niveau de la Cour. C'est ceux qui, depuis le 17 septembre, au lieu de s'entendre, de concevoir que la loi a déjà voté, même si nous ne sommes pas d'accord, puisque nous sommes minoritaires, ça s'impose à nous, et de se mettre rapidement dans les rangs, soit il crée un nouveau parti en annulant leur statut juridique qui existait,
ou bien, bon, ils décident de se mettre en conformité. Mais ils l'ont commencé très tard. Ils ont été surpris par la notion du certificat de conformité. Et moi, j'aurais dit à leur place, je ne vais jamais faire la mise en conformité. Parce que ça appelle à d'autres problèmes juridiques. Et vous avez vu, la loi, le législateur était très juste. Le législateur dit quoi? Lorsque le ministre de l'Intérieur vous notifie la non-conformité, on dit qu'il doit donner un avis motivé. Ce n'est pas qu'il va dire, même si c'est le gouvernement ou bien le président Talon qui dit à Saka Lafia de la rejeter là. S'il rejette là, il doit expliquer. Il doit dire, oui, j'ai rejeté, mais voilà, voilà, voilà pourquoi j'ai rejeté. Et la loi va plus loin pour dire, si il dit que vous n'êtes pas conforme là, et que vous estimez que c'est le gouvernement qui est derrière vous là, allez à la justice. Ils l'ont fait. Ils sont allés d'abord à la Cour suprême, on a fait le débat ici. Tout à fait. Et après, ils sont revenus au tribunal de première instance. Le juge aussi a dit, oui, vous n'êtes pas conforme. Vous voyez? Donc, ils doivent déjà comprendre que, en fait, il doit avoir des griefs dans le dossier. Parce que le ministre de l'Intérieur est contre vous. Ah, finalement, le juge aussi est contre vous. On va dans le consensus. Vous-même, vous sortez du consensus. On en arrivera là. Donc, tout est réuni pour moi, pour dire que, au-delà de la question des élections, il y a un autre problème qui est là. On en viendra tout à l'heure. Très bien. Agapit Napoléon Maforic, hein, l'obtention de ce certificat, du certificat de conformité, il y a quand même un obstacle. On pourrait, pour certains, il y a tout de même un obstacle. La rigidité de l'application des tests pour avoir ce précieux sésame. Non, c'est pas, il n'y a pas de rigidité. Il y a que l'opposition ne sait pas. Enfin, comme je vous l'ai dit, depuis le début du processus, l'opposition n'a pas voulu accepter les règles. Et à chaque fois, être toujours un bouc émissaire. C'est une stratégie. Mais ils ont voté la charte. C'est une stratégie. Ils ont voté la charte. Et ils le disent très peu. Ils ne le disent pas. Et les stations, les radios internationales, les médias internationaux qui sont mis à contribution ne le disent pas du tout. Ils ne le disent pas du tout. C'était voté, comme M. Adoukou l'a rappelé, ou bien c'est vous-même à 80, pratiquement à tous les députés, près, sauf un. Sauf un. Donc, vous ne pouvez pas voter un test à ce niveau-là et refuser son application. Tout comme le code électoral a été voté à une très forte majorité. Donc, le problème qui se pose, c'est que dès l'application, les gens se sont rendus compte que, ah, ils seront en difficulté. Et donc, il faut utiliser le dilatoire. Et ce dilatoire a été abondamment utilisé pour pouvoir bloquer, comme je vous l'ai dit, le processus. Sinon, quelqu'un dit, il faut reporter les élections. Mais en reportant les élections, pour créer quelle situation? On le demande. L'affaire de certificat de conformité, en réalité, c'est quoi? Vous ne pouvez pas, quand on dit, il faut être béninois, comme je vous ai tout dit, condition remplie, être de la santé béninoise, avoir une bonne moralité, on n'a pas besoin de dire certificat de nationalité ni casier judiciaire. On n'a pas besoin de préciser. Quand on dit pour aller aux élections législatives, il faut être un parti politique régulièrement inscrit ou reconnu au ministère de l'Intérieur. C'est la façon de dire que vous devez être possesseur d'un papier, quelle que soit sa dénomination, pour montrer que vous êtes à jour vis-à-vis de la nouvelle réglementation en vigueur. C'est quand même simple que ça. Mais à partir du moment où les gens n'ont pas voulu de ce papier, parce qu'ils estiment que c'est déjà contraignant pour eux, ils voyaient des contraintes venir. Et pas une seule. Il y a la contrainte de conformité, il y a la contrainte du critique fiscal, et puis il y a les 249 millions. Qui est la contrainte de la caution. Les gens n'arrivaient pas à se mettre ensemble. Ils sont conscients qu'avoir 10% serait difficile pour eux sur le terrain au niveau national. Donc il y a plusieurs paramètres qui ont entré en ligne de compte. Et donc les gens ont préféré utiliser des dilatoires. Comme je vous l'ai dit, noyer les réseaux, polluer l'environnement, et désinformer et intoxiquer, et nous conduire un peu dans une situation où ils sont les premiers à crier une passe. Voilà. Donc voilà, c'est un peu ça. Pour moi, ce qui est fait de cette nationalité de conformité est un faux problème, puisque de toute façon, peu ou prou, vous devez prouver que vous êtes un parti en règle vis-à-vis de la nouvelle réglementation avant d'aller aux élections. C'est une évidence. Mais on sait qu'il y a les élections le 28 avril. Donc, quand on dit le 16 mars, il faut attendre le 16 mars, non? Un adage dit, et nous parlons français, qui peut le plus, peut le moins. À partir du moment où vous pouvez le plus, si vous êtes sûr que vous pouvez aller au 16 mai et mars,
vous pouvez tout faire. Parce que vous savez, vous ne voulez pas réveiller subitement pour savoir que vous voulez aller aux législatives. Donc vous devez prendre vos dispositions pour pouvoir être à jour. Qui voyage de loin, ménage sa monture. Vous ne faites pas ça et vous demandez combien de populations ne sont pas surprises par des lois que eux-mêmes députés prennent et qui sont appliquées. Régulièrement, dans les lois des finances, créent de nouvelles taxes. Et les députés ne nous expliquent pas toujours. Ils ne viennent pas toujours demander nos avis. Mais dès le 1er janvier de l'année qui commence, les taxes entrent en vigueur. Parfois, on ne le sait même pas. Donc, et pourquoi nous, on ne se lamente pas? Et eux, alors qu'ils ont voté les lois régulièrement, dans les conditions requises et prévues par nos textes, reviennent pour dire que c'est une pièce inventée. Si c'est une pièce inventée, ils n'ont qu'à dire, moi, je ne donne pas cette pièce, mais je donne le papier qui démontre, je donne le récépissé. Hein, je donne la publication dans le journal officiel qui montre que mon organe a été régulièrement déclaré en règle vis-à-vis par rapport au nouveau code. S'ils avaient fait ça, on ne les a pas pris en compte, on peut comprendre. Mais ils sont restés dans une situation de défi hein, au nouveau texte, aux nouvelles lois. De défi à l'État et en saquant le moral un peu des autres et en livrant la majorité parlementaire à la vérité populaire, en les traitant de tous les noms, comme si c'est le gouvernement qui votait les lois, alors comme si eux-mêmes n'avaient pas voté. Donc, vous voyez le ver dans le fruit, et tout ce que nous dirons sur tous ces articles-là, tout ce papier de certificat de conformité, ça ne convaincra que ceux qui ont envie d'écouter, de comprendre. Les autres vont rester dans leur posture, et hélas, ils entraînent d'autres sachants, normalement, au niveau même national comme international, qui devrait rester au niveau de la prendre de la hauteur, soit entré dans le débat et l'utilise un peu comme arme de guerre. Il y a tout de même ce constat fait également par le président de la République. Mais avant, vous savez qu'il y a deux concertations qui ont été initiées par le chef de l'État. La première concertation, c'était donc le 26 février avec les opposants, les forces qui se réclament de l'opposition. Et la deuxième concertation, c'est avec la classe politique béninoise. L'opposition n'avait pas répondu favorablement à cette invitation du chef de l'État. C'était donc le 6 mars, au lendemain de la publication des listes qualifiées pour les législatives par la Commission électorale nationale autonome. Et donc, il y avait cette gêne aussi du chef de l'État de constater quand même que deux partis qui se réclament de ces soutiens qui sont qualifiés pour les législatives, cette initiative, comment trouvez-vous? Parce qu'à cette phase, dans ce processus-là, dans cette phase, le chef de l'État a tout de même voulu se concerter, dialoguer avec les acteurs politiques. Je vous remercie beaucoup parce que je suis très content que vous avez déjà compris que le chef de l'État était un peu gêné. Parce que il y a d'autres qui conduisent toujours de dire que non, c'est un jeu. Malgré que le chef de l'État a réuni la classe politique pour dire, au terme du processus, la Sénat n'a sorti que deux listes pour aller aux élections. Malheureusement, il se fait que les deux listes se réclament de mon soutien. Je crois qu'il est un peu gêné et que par les fois passées, que les élections ne se déroulent pas comme ça au Bénin, qui a toujours toutes les tendances et qu'il souhaiterait qu'il en soit ainsi sous son mandat, sous son règne, et que les élections soient une fête. Il a dit au vu au sud de tout le monde et que comme c'est quelques... C'est à cause de la loi que certains ont été éliminés, que l'Assemblée nationale, qui est le détenteur du pouvoir législatif, parce que, au demeurant, le chef de l'État ne vote pas les lois. Même s'il y a un fait majoritaire à l'Assemblée nationale, tout le monde sait que le chef de l'État ne vote pas les lois. D'accord? Donc, il faut que l'Assemblée nationale aille revoir ce qu'il faut revoir pour que tout le monde aille aux élections. En tout cas, pour qu'il y ait les élections plus larges. D'accord? Ce qui a été fait, la conférence des présidents de l'Assemblée nationale a mis sur pied
un comité paritaire composé de ses membres, dont deux membres de l'opposition représentés par Eric Ngoumbété et Garba Yaya, deux de la majorité présidentielle représentés par Idi Kolaole et Barthélémy Kassa, plus le président de l'Assemblée nationale même. Et au fin des travaux au sein de cette commission paritaire, le consensus pour qu'il y ait les élections inclusives ou plus larges a été retrouvé. Ça, je vous le dis. Et je mets au défi celui qui peut dire le contraire. Le consensus a été trouvé le 13 mars. On en était là quand le 14 mars, la même opposition qui a participé aux travaux a écrit, les documents existent, pour dire qu'il ne se reconnaît plus dans ce consensus qui a été retrouvé le 13 mars. Et bonjour les dégâts. Et je voudrais m'associer aux anciens présidents de l'Assemblée nationale, aux analyses des anciens présidents de l'Assemblée nationale, pour dire que au-delà de la question de participer aux élections, en fait, il y a d'autres problèmes satellitaires non dits qui tournent autour de cette question que nous ne maîtrisons pas, parce que rien ne saurait expliquer le comportement de l'opposition qui a accepté le consensus et qui revient le lendemain pour dire, bon, il ne se reconnaît plus dans le consensus. Et je comprends, parce que, vous savez, une chose est d'aller aux élections, mais l'autre chose est d'aller d'enlever des sièges. La situation que nous vivons actuellement, là, on peut aller aux élections et les deux parties là vont enlever les 83 sièges. Tout le monde peut aller. Et quand on applique l'article 242, on applique le principe d'éligibilité, les quatre premiers, et après on applique le principe d'attribution des sièges, si on arrive dans chaque circonscription, puisque l'éligibilité n'est pas égale à l'élection. Hein. On peut être éligible, on applique maintenant le principe de l'élection, et on peut arriver à une situation où c'est seulement l'Union progressiste et le Bloc républicain qui enlèvent les 83 sièges, ou bien c'est l'opposition seule. C'est possible. Ça veut dire quoi? Si on arrivait à cette condition-là, ça veut dire que le problème demeure. Parce que, en fait, de quoi il est question? Il faut qu'on dise la vérité au peuple. De quoi il est question? Il s'agit simplement la question des élections, de la participation plus large des élections, n'est qu'une face de l'iceberg. Le vrai problème, c'est Sébastien Djavon qui est à l'extérieur. Oh. C'est Léa Choglo qui est à l'extérieur. Non, parce que si vous analysez bien les choses, moi, en tant qu'analyste politique, je comprends peut-être que l'opposition va aux élections, estime qu'il aura des députés. Ces députés vont commencer par bloquer l'action du gouvernement pour obliger le gouvernement à négocier pour aller toucher vraiment le vrai problème dont je vous parle. En fait, c'est ça le débat. On va y arriver. Parce que si nous n'expliquons pas... Pourquoi je dis ça? À l'heure où nous sommes, un dialogue politique est encore possible pour sortir de la crise. Très bien, on va y arriver. Sans même les élections inclusives. C'est tellement... Parce que ce qu'on veut, si ce que l'élection inclusive peut faire, si on peut le faire sans l'élection inclusive pour sauver la vie des pauvres citoyens, on peut aller là, un dialogue est encore possible. On y arrivera. Parce que le vrai problème, c'est ça. Très bien, on y arrivera. Antoine Adougonou, Agapi Napoléon Afori, quand je rappelais donc les différentes concertations initiées par le chef de l'État, la première avec l'opposition et la deuxième avec toute la classe politique, la recherche du consensus confiée à Maître Adrien Ongoyi, malheureusement, qui n'a pas abouti compte tenu d'un certain nombre de choses. Est-ce qu'on pourrait dire concrètement que les gens ne veulent pas aller aux élections, ils n'étaient pas à la concertation le 6 mars, mais ils ont quand même participé aux travaux. Je pense que nous abordons là le nœud même, c'est là le centre du dossier. On a quitté le premier temps, qui est que l'opposition ne voulait pas certaines réformes qui ont fini par s'imposer. Hein? Ils ont voté, peut-être, et après ils se sont rendus compte des difficultés et n'ont pas voulu s'y associer. Le deuxième temps, c'est justement que le chef d'État est le premier encore à prendre la mesure de la situation. Je pense qu'on ne le dit pas assez.
Et les gens, les anciens présidents de l'UNICEF, Fausto Globe et Boniaï, et les médias internationaux qu'ils exploitent, que beaucoup utilisent, les réseaux sociaux, ne le disent pas assez que le chef de l'État est le premier à prendre la mesure de la situation. Il a dit, c'est embêtant que deux partis qui se réclament de lui soient les seuls à le qualifier. Mais pendant ce temps, on l'a déjà accusé. On l'a déjà accusé que c'est la CEDA, que tout est sous son contrôle, que tout est... Et pourtant, je t'ai dit. Et il mande le président de l'Assemblée nationale. Le mande pour dire, allez-y. L'Assemblée, c'est le lieu où tout peut se décider. Faites toutes les propositions. Même si cela doit aller à la révision de la Constitution, je suis prêt. Donc, dès qu'il dit ça, normalement, le président a donné le président de la République a donné toute la carte blanche à l'Assemblée nationale. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Mais alors, qu'est-ce que l'opposition a fait? Qu'est-ce qu'elle a donné? Elle n'a rien donné. Elle est allée à l'Assemblée. Dès le lendemain, une sortie de membres de l'opposition. On a dit, il faut donner le papier. Sinon... Donc, c'est une forme de pression pour que... Lorsque vous négociez, surtout quand... Il faut savoir mesurer les armes de la négociation. La pression, c'est bon. Mais quand vous n'êtes pas en position de force et vous utilisez une certaine forme de pression, vous faites un harakiri, vous tirez entre les pattes. Et en fait, l'opposition n'a fait que se tirer entre les pattes depuis le début jusqu'à aujourd'hui, où finalement on envoie les enfants, on envoie les délivrés, on envoie des jeunes valides, des personnes qui ont encore toute leur vie devant, on envoie les populations faibles devant. Les armes, on les envoie dans la rue, cassées, brûlées, alors que ce qu'on devait faire plus tôt, on ne l'a pas fait. On ne l'a pas fait. Le chef de l'État a dit, je veux le consensus, allez-y chercher, je suis prêt à tout. Mais attendez, le processus ne s'arrête pas, parce que lui, il a une responsabilité. Si le 28 ne marche pas, si c'était le 29, le 30, ça peut encore aller. Parce que les gens nous ont dit, mais depuis 2011, on n'a pas tout respecté, oui. On a toujours fait peut-être une semaine, 10 jours, 2. Mais qui sait où est-ce que l'opposition allait embarquer si le chef d'État devrait aller, accéder à leur délégué d'État au fur et à mesure. Il fallait prendre des précautions. Donc le chef d'État les a renvoyés au Parlement, aller faire le consensus. Et comme l'a dit Adoukounou, ils ont fait le consensus. Ils sont parvenus le 13 au consensus. Les documents ont circulé sur les réseaux sociaux, signés par les 5. Donc, on me dit, le président de la République me dit, ayant voulu, a été au-dessus de la maladie, je préside. Mais moi, je n'ai pas de voix. Je préside. Donc, c'est les deux parties, la majorité et l'opposition, qui ont fait des propositions. Ils ont signé. Et c'est dedans quoi? C'est qu'on a fait deux propositions de loi dérogatoire et une autre pour pouvoir repousser le mandat de fin des députés qui sont là. Donc, retoucher à la Constitution. Projet de 45 jours. Voilà. Donc, 45 jours, c'est quand même beaucoup. Pourquoi on laisse ça couler sans... S'il y a une urgence, et l'Assemblée doit intervenir, cette Assemblée n'aura plus de légitimité. Donc, c'est important de prendre une loi référendaire, une loi constitutionnelle. Mais, quand ils ont signé, et ils reviennent déjà pour dire qu'ils ne se reconnaissent plus, mais ils renvoient, c'est là qu'ils ont créé l'impasse. Et on demande quoi? On demande au chef de l'État de prendre une ordonnance. Ou à la Cour constitutionnelle, de prolonger. Mais c'est-à-dire que voilà une opposition qui refuse de jouer le jeu, qui après avoir participé à la mise en place des règles du jeu, refuse qu'on le lui applique. On dit d'accord, allez trouver des palliatifs parce que nous sommes conscients qu'il y a eu des difficultés. Il trouve les palliatifs, il revient pour dire non, on ne veut plus ça. Le chef d'État n'a qu'à prendre une ordonnance ou que la Cour constitutionnelle n'a qu'à... Mais nulle part ça ne fonctionne comme ça. Nulle part. Donc on n'a pas dit que... C'est là que le vrai débat a commencé. C'est-à-dire que la difficulté que nous avons aujourd'hui, c'est là que l'opposition a jeté le masque en disant nous sommes responsables, nous, de ce qui se passe. C'est nous qui sommes à la cause. Nous, on veut que... Et pendant ce temps, vous voyez, le président Sogou avait déjà fait des sorties. Ah oui, maintenant, on doit quitter le pouvoir, voilà, on doit suivre, on doit faire ça. Comme si il y avait d'autres sujets, d'autres impératifs, d'autres objectifs, d'autres intérêts cachés, d'autres agendas cachés derrière l'agenda électoral. Parce que, avec leur sortie, que ce soit du président Yahi, comme du président Sogou,
On s'est demandé, mais c'est toujours l'agenda électoral qui les fait sortir. Mais les débats se font. Le conseil qui a recherché au Parlement, le président est d'accord à tout, mais proposez-lui le tout. Moi, j'étais journaliste parlementaire. On a vu des députés négocier avec d'autres députés. On a vu parfois, quand les débats sont bloqués, que des camps opposés se retrouvent lors des pauses pour discuter. Mais quand vous mettez dans la posture où on veut tout bloquer, c'est nous qui avons raison. Si vous ne donnez pas, on va bloquer tout. Il n'y aura pas d'élection sans l'opposition. Mais il faut crisper l'autre camp. Et la sortie de la majorité parlementaire, le 26... Le 29 mars, cette sortie, c'est un ras-le-bol. Vous n'allez jamais entendre, au cours d'une sortie publique, la majorité parlementaire, avant cette date, se cambrer, se braquer et se lâcher. Non. Ils ont gardé la retenue. En tout cas, c'est le chef d'État qui a demandé. Moi, j'ai eu des députés qui ont dit non. En tout cas, nous, on est sûr que les gens sont dans le dilatoire. Mais comme le président nous a demandé, on va jouer le jeu. Les gens étaient prêts à jouer le jeu quand l'opposition est revenue, surtout quand Yair Bonny a dit donner le crédit fiscal à tout le monde. Dès qu'on est rentré dans ça, on est rentré dans la, dans le début de l'escalade. Et ce qui est dommage, c'est qu'après, aucun sachant, aucun média international, aucun réseau social, en tout cas, tous ceux qui doivent opiner, personne ne prend date à partir de ce moment-là. Et personne, la société civile, qui a tenté de rencontrer le FCBE, n'est même pas revenu pour dire, ah, on s'est arrêté à un mur. Donc, les gens savent d'où le problème est arrivé. On ne peut pas faire grève aux lois. Mais est-ce que la révision de la Constitution, l'opposition n'est pas victime de ce sacré ou de cette posture sacrée qu'on a faite à notre loi fondamentale, parce que tout de suite, on peut balancer dans l'impopularité. Peut-être que c'est ça la peur. Si, si elle a une opposition peureuse, pourquoi vous voulez que les gens les attendent? Émotive, peureuse, tout ce que vous voulez, on ne peut pas les attendre. Il y a des délais. Le temps appartient à Dieu, c'est vrai. Mais dans le temps matériel, il y a les choses qui sont prévues. Un mandat n'est pas un mandat de Dieu. Dieu guide un mandat. Mais au bout de 7 ans, Dieu ne peut pas dire continuez votre mandat. Non. Ça veut dire que soit Dieu a réglementé, a tout réglé dans la période, soit vous remettez votre mandat. Vous avez beau faire bien. Vous avez beau faire bien, faire meilleur. Si les 5 ans arrivent, vous devez remettre le mandat en jeu. On va dire non, quand vous avez tellement bien fait là, continuez. Donc le temps matériel existe. Et ce temps matériel, c'est ça qu'on appelle le mandat. Et quand vous dépassez la durée du mandat, vous n'êtes plus couvert par ce temps. Donc vous devenez citoyen simple. Vous êtes bon président de la République, quand le parti Stalin va terminer ses 5 ans, s'il renouvelait, c'est terminé. S'il ne renouvelle pas, ben, il va quitter le palais. Il va saluer son successeur et quitter comme un citoyen ordinaire. Donc, c'est pour dire que c'est l'opposition qui, en revenant sur sa décision, lors de la décision du comité paritaire, a tout bloqué. Nous n'offrons d'autres voies de sortie que l'invitation à la Cour constitutionnelle de s'autosaisir. Comment vous voulez que la Cour constitutionnelle, qui a déjà validé un processus, en montrant la voie à suivre, se ressaisit maintenant pour dire « je valide, je reporte les élections ». Alors qu'elle ne s'agit de rien, elle ne s'agit d'aucune situation. Comment ça peut se faire? Et comment le chef d'État qui vous a envoyé prendre un processus va dire « ok, moi je prends l'ordonnance ». Mais c'est des positions incohérentes qui montrent que vraiment les gens étaient dans une posture de blocage. Et nous l'avons dit tellement, on l'a tellement répété, qu'on voyait venir que les gens voulaient bloquer. Mais bon, ça a fonctionné et on a dit qu'il faut que le chef d'État prenne des ordres. On a écouté tellement des personnalités, on a dit que le chef d'État doit faire tout ce qui est de son possible. Mais comment on peut faire tout ce qui est de son possible en matière constitutionnelle? En matière constitutionnelle, on est enfermé. En matière politique, on peut tenter encore de faire tout ce qui est de son possible. Mais d'abord, force reste à la loi quand les termes sont clairs et nets. En la matière, il n'y avait pas un thème qui avait un problème d'interprétation. Je vous ai dit, même le 242, il n'en avait pas. Donc, force devrait rester à la loi. Et c'est ce que le président de la République a fait. Constaté, il a fait sa sortie en expliquant. On ne peut pas prendre une ordonnance, c'est impossible dans la condition actuelle. Et donc, voilà là où on en est. Donc, si on doit prendre acte, c'est ce 14 mars, quand l'opposition est revenue sur la signature, quand l'opposition a remis en cause les travaux du comité paritaire, c'est là que l'opposition a
créé a lancé le pays sur la voie de l'escalade. Et c'est ça que nous gérons jusqu'à aujourd'hui. Très bien. Et en ce qui concerne cette demande pour la préservation de la paix, il faut que le chef de l'État puisse jouer sa, d'autres disent même, sa dernière carte. Il faut que le chef de l'État fasse telle chose pour la préservation de la paix, véritablement. Le chef de l'État est sorti, il a donné son avis puisqu'il était attendu. Le moment politique, cette émission a eu lieu et on a compris un peu la lecture du chef de l'État par rapport aux différentes sollicitations. Pour certains, ils sont restés aussi sur leur soif. Non, évidemment, ils sont restés sur leur soif parce que les gens estimaient que le chef de l'État devait peut-être dire quelque chose qui permet de suspendre au processus ou bien de trouver des formules parce que la crainte, elle était là. Le chef d'État n'est pas allé dans ce sens. Le chef d'État n'est pas allé dans ce sens parce que le chef de l'État, si vous suivez bien le discours, le chef d'État a fondé son analyse sur ce 14 mars. Le fait que l'opposition est sortie du consensus, ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire que, en réalité, le problème, ce n'est pas seulement d'aller aux élections. Donc, même, sachant vous arrêter, même à partir du moment, qu'est-ce qu'on demande? On demande la démission du président de la Sénat, on demande la démission du président de l'Assemblée nationale, l'abrogation des lois en question. Donc, on a quitté la recherche du consensus, on a quitté la question électorale et on est parti à des nouvelles revendications. Oui, donc, au même moment où on trouve un consensus. Parce que le problème qui était posé, c'est trois problèmes qui se posaient. Le problème du certificat de conformité et la première proposition ayant fait une modification de l'article 56 de la charte des partis politiques va régler le problème de la charte, du certificat de conformité. Il y avait le problème de l'article 46 du code électoral et sur le dépôt des dossiers à la Sénat, et on avait estimé que lorsqu'il y a des erreurs, on pouvait donner 72 heures. Le parti politique pourrait venir pour... Voilà, la Sénat pouvait notifier et donner 72 heures au parti pour corriger. Et il y avait la question transversale du temps, où les gens estimaient que comme le temps est parti, pour que l'opposition puisse mettre à jour ses dossiers, nous lui donnons 45 jours. Et donc, c'est ça qui a fait qu'on a déplacé la fin du mandat des députés de 45 jours, qui est au profit de l'opposition. Parce qu'au demeurant, les autres ne sont demandeurs de rien. Ils ont déjà fini leur dossier. La mouvance n'est demandeur que de la paix. La mouvance avait déjà tous ses dossiers à jour à toutes les instances. La seule chose que l'Union progressiste et le Bloc républicain, le président Patrice Talon cherchait dans ce consensus, c'est la paix. Mais les opposants, eux autres, ils ont à avoir leur dossier à jour et à aller aux élections. Donc, les 45 jours qu'on a donnés, c'est pour l'opposition. Ce n'est pas pour la mouvance. Il faut qu'on comprenne les choses. Mais le mal qu'on a vécu, c'est les intellectuels béninois. Parce que... Qui vous appelez intellectuel. Oui, quand vous allez interroger un constitutionnaliste, qui est un expert en la matière, et qui vous dit, non, il ne faut pas réviser la Constitution. Alors que le problème de révision de la Constitution a été toujours un sujet tabou, il y a de quoi que les gens puissent avoir peur. Parce que le spécialiste même dit qu'il ne faut pas réviser. Et qu'il faille que le chef de l'État prenne une ordonnance. Et il a emballé le spécialiste, dit-on, qui ne donne que des avis politiques. Ces spécialistes dont on parle, qui ne donnent que des avis politiques, qui sont des politiciens déguisés, ont conduit... Vous êtes tranché. Très tranché. Très tranché. Et moi, je souhaiterais... Et moi, je dis... Moi, j'ai échangé avec des enseignants, des cadres, qui me disent que lorsqu'on amende l'article 45 et 80, de 45 jours, là, qu'on tombe dans une nouvelle république. Mais je dis que c'est faux.
et à Chifo, et je mets au défi ce constitutionnaliste, au Bénin comme au plan international, qui peut me dire qu'à l'étape de notre jurisprudence, sur le pouvoir constituant dérivé à la Cour constitutionnelle aujourd'hui, là, que si on amende l'article 45 de 45 jours, là, on tombe dans une nouvelle. Vous ne verrez aucun constitutionnaliste qui vous le dit. Parce que la Cour constitutionnelle, sous Yahi Boni, qui avait les tentatives de faire un troisième mandat, a pris une décision qui a dit que, en utilisant le pouvoir constituant dérivé, on ne saurait jamais aboutir à l'abrogation de la Constitution. La décision existe. Mais non, on peut même faire plus simple en disant, mais comment en repoussant de 45 jours le mandat des députés, comment on change de République? On aurait changé de Constitution. Lorsqu'on prend l'article 80, la nouvelle République, ça veut dire qu'on a changé de Constitution. Si on prend l'article 80 là, et on augmente 45 jours là, ça veut dire que toute la Constitution du Bénin là, c'est à l'eau. Est-ce que c'est raisonné ça là? Et des intellectuels donnent ça là et ils emportent les non-sachants. Vous voyez? Et tout ça là a envenimé le consensus. C'est pourquoi le lendemain, l'opposition, qui était de bonne foi, est revenue sur sa position pour dire: ah, voilà, il ne faut pas qu'en acceptant la révision de la Constitution, je me fasse un autre piège. Et tout a commencé par là. Donc, nous les intellectuels, nous n'aimons pas ce pays, parfois. Nous n'aimons pas ce pays, au lieu de donner des avis techniques pour pouvoir éclairer ceux qui ne savent pas, nous donnons des avis politiques pour emporter les gens. Et voilà là où nous en sommes. Vous voyez ? Il y a tout de même, parce que quand vous suivez le déroulement d'un certain nombre de choses, du déroulement surtout du processus électoral, le 1er avril, il y a tout de même une concertation qui a été initiée et donc les présidents des différentes institutions de la République ont décidé de la poursuite du processus et par la suite, très récemment, vous avez entendu parler par un ancien président de la République qui estimait que les institutions de la République ont échoué. On s'attendait à quoi de la part de ces présidents d'institutions qui ont décidé donc de la poursuite du processus Agapit Napoléon Mafouraka? Je pense qu'ils ont pris leur responsabilité. Ils ont pris leur responsabilité ce 1er avril. Ils ont pris leur responsabilité parce que, ouais, comme pour le commun des Béninois, parfois, moi, je lis certaines choses sur les réseaux sociaux, même des injures, des trucs, des appels à la violence, que parfois je dis, ils ne comprennent pas. Ils ne savent pas. Quelqu'un dit à la conférence nationale, mon Dieu, pardonne-leur, ce sont des pécheurs. Ils ne savent pas ce qu'ils disent. En répétant Jésus au cours de sa passion. Mais Jésus, dans sa passion, dit, il ne sait pas ce qu'ils font. Quelqu'un dit, mais pardon, là, il ne sait pas ce qu'ils disent. Parce que les gens passaient tout le temps à l'injurier, à faire le procès du PPB. Alors qu'on les connaît eux-mêmes. M. Tchontchien est passé tout à l'heure. Vous l'avez écouté. On n'avait que 3-4 parties. Vous savez comment ils ont mis le pays à feu et à sang en 12 ans. Donc, Kérékou, affaibli par la banqueroute, dont les cadres sont responsables par ailleurs, affaibli par son système, donc qui est usé, mais sachant qu'il n'était pas tant que dans le faux et que la démocratie que tout le monde appelait avait aussi ses contraintes, nous y sommes. Il a dit, vous ne savez pas ce que vous dites. Mais ces jeunes, sur les réseaux sociaux, on a manipulé, on a monté les gens pour écrire n'importe quoi, mille injures, des histoires comme ça. Après, ils ne savent pas ce qu'ils font. Parce que justement, après du moment où l'opposition a refusé le consensus, en renvoyant la balle au président de la République et à la Cour constitutionnelle, l'opposition a dit, qu'est-ce qu'elle a dit? C'est votre problème. Si vous voulez organiser les élections organisées, nous, on s'en fout, on bloquera de toutes les façons, puisque nous, on ne veut plus rentrer dans un jeu. C'est votre interprétation. C'est exactement ça. Mais attends, on se bat. On se dit, le président, le chef de l'État, qui est le garant de l'ordre constitutionnel, dit, allez vous entendre. Le Parlement est le lieu où ça doit se faire. Vous êtes allé faire ça. Vous êtes entendu. Le document n'est même pas allé en discussion. Vous dites non. Nous, on quitte ça. Mais, si ce n'est pas ça, c'est quoi? C'est justement ça. Donc, et les sorties intempestives des anciens présidents Yahya et Soglo n'ont pas permis une lisibilité. C'est Yahya Soglo, c'est les sorties intempestives qui ont embrouillé le jeu et conduit Hondeté et Gaba à revenir sur ce qu'ils disent. Pendant ce temps, l'honorable
Mitogbe aussi jouait sa partition à part. Et puis après, bon, voilà, il se retrouve un jour. Demain, il se retrouve à part. Donc, et tout ça s'est mélangé. On ne sait plus. Donc, les institutions, voyant venir la situation, on peut faire quoi? Qu'est-ce qu'on fait? On s'arrête? Mais on s'arrête pour faire quoi? On va attendre le 28, on va attendre le 15 mai, pour constater qu'on n'a plus d'Assemblée nationale. Et qu'est-ce qui va se passer? Donc, j'ai vu ces craintes-là, que moi j'ai dit que les institutions ont été avisées. Moi, quand j'étais là, que nous participions à cette réunion de coordination des institutions. Ça, ce n'est pas créé par, sous le temps de mon président Ali Jato, quand j'étais membre de la 4e, de la 3e législature de mandature de la HAC. Ce n'est pas créé, c'est créé plus tôt d'ailleurs. Donc les gens se retrouvent, ils se concentrent sur les grandes questions de la cité, sans rentrer dans leurs prérogatives les uns les autres. Quand nous avions accueilli cette séance à la HAC, nous étions en conflit avec la Cour constitutionnelle. Il y avait une rotation, donc. Il y avait une rotation, exactement. Et comment j'étais à la HAC, quand cette concertation est venue à la HAC, nous étions en plein conflit avec la Cour constitutionnelle sur l'affaire des fréquences en 2007-2008. Donc, ce n'est pas une affaire, ils ne se retrouvent pas pour compléter, non. Et quand ils sont allés dire, poursuivre le processus, mais poursuivre le processus ne veut pas dire que la fin du dialogue. Le dialogue est politique, le processus est constitutionnel. On ne peut pas mélanger les deux. Là où les règles du jeu, la loi est claire, on avance. Maintenant, la loi claire peut créer des difficultés d'application, peut créer des situations. On discute. Donc, mélanger le débat, le débat politique avec les impératifs constitutionnels et légaux, ça pose un problème. Et c'est là, les porte-parole, les gens disent, avancez, monsieur le président. On dit, ah, ils sont corrompus. Donc, à chaque fois, voilà une opposition qui quitte le consensus. Après l'avoir validé. Maintenant, qui est là à commenter toute option qui est faite? Le seul truc qu'on demande au chef d'État, c'est de prendre une ordonnance. Mais comment va-t-il prendre l'ordonnance? Moi, je pense que ce n'est pas la peine qu'on perde du temps. Le président lui-même a donné les raisons. Dans sa sortie, dans le moment politique, le chef d'État, je pense qu'il a eu les mots qu'il fallait avoir. Il a eu les mots, tout ce qu'il peut dire. Je pense qu'il a dit l'essentiel sur cette affaire d'ordonnance. Qu'on n'attende pas, et ceux qui attendaient la Cour constitutionnelle, eux-mêmes savent. J'ai trouvé bizarre que grand ami constitutionnaliste ait demandé que la Cour peut intervenir. Il dit non, toi aussi, tu es mon maître. Tu ne peux pas dire ça. Parce que la Cour ne peut pas s'auto-saisir. Il faut qu'on la saisisse d'un blocage. Mais personne ne le peut. Qui peut la saisir d'un blocage? En 2011, c'était la Sénat elle-même qui l'a saisi d'un blocage. Donc, si on l'a saisi d'un blocage qui est évident, c'est évident que... Mais on l'a dit, je pense que c'est M. Chadou Kono, au cours d'un débat où il a dit qu'en 2006, la Sénat a saisi la Cour constitutionnelle d'un blocage matériellement, techniquement, je ne peux pas organiser les élections, le second tour de la présidentielle, ce dimanche-ci. Si on était un jeudi ou un mercredi. La Cour, le vendredi, a sorti sa décision en disant, moi, je vous comprends, je vous autorise à reporter les élections. Le président Kérékou dit, je ne reporte pas les élections, puisque c'est lui qui a qualité à convoquer le corps électoral. Il dit, le second tour aura lieu ce dimanche. Mais les gens qui pensaient que, comme la Cour a dit, on ne tient pas, mais on a fait le second tour. Sans campagne présidentielle, je me rappelle comment les candidats qui devaient soutenir, qui étaient dans le marchandage de soutien, se sont retrouvés précipitamment à Gouygabin, chez Salé, pour dire leur soutien à Yaïboni. Donc ils marchandaient déjà les postes. Donc c'est pour vous dire quoi? C'est complexe cette affaire. Donc, après du moment où les présidents se sont vus venir le blocage, c'était leur rôle, leur mission de dire continuer. Et voilà, donc ils étaient dans leur rôle. Qu'est-ce qui aurait pu être fait? Je vous ai dit, aucun constitutionnaliste ne peut vous dire que le chef d'État prendrait une ordonnance. Ce serait dangereux aller sur une voie sans issue et où on donne on met comment le chef d'État appelait ça, à décision massive. Et on met une telle arme dans les mains d'un seul homme, d'un individu. Si Patrice Talon s'en sort, un autre gens peut l'exploiter. N'importe qui. Qui sait? Quand on vous confie un pouvoir, vous ne savez pas ce que vous pouvez faire avec. Donc, donner une telle arme à un chef d'État, c'est grave. La Cour constitutionnelle, elle, ne peut pas se saisir. Il faut bien qu'on la saisisse. Et la Sénat estime qu'elle est prête à continuer. Et quand la Sénat a dégagé les deux listes, la Cour constitutionnelle a validé. Après, la Cour constitutionnelle valide, c'est que le processus est en bonne voie, donc n'est pas bloqué. Alors, qu'est-ce qui est en cause dans tout ça, alors?
c'est nos institutions ou c'est les hommes qui font pas de l'opposition. Parce qu'à chaque fois, on attaque quelque chose. Mais quand les institutions fonctionnent régulièrement, quand la constitution fonctionne, quand les institutions qui en découlent fonctionnent, on peut demander où est le problème. Alors, est-ce que c'est les décisions prises? C'est les décisions prises. Mais voyez-vous, proposer des mécanismes pour corriger le mode de prise de cette décision-là. Or, les gens sont allés d'invective en invective, d'injures, de menaces, comme si ceux qui prenaient ces décisions-là n'avaient pas qualité à les prendre, ou si les décisions étaient prises hors circuit institutionnel ou constitutionnel. Non, les décisions étaient régulièrement prises. Est-ce qu'elles sont bonnes ou mauvaises? C'est un autre débat. Je vous ai dit, entre l'ordre constitutionnel, institutionnel et légal, et l'ordre politique, c'est d'abord l'ordre constitutionnel et légal qui prime. L'ordre politique vient pour aplanir, pour arrondir, pour gérer. Et la voie avait été ouverte. Et le fait qu'on ait demandé le 1er avril, les gestionnaires ont demandé de continuer le processus, n'arrête pas le dialogue politique. Même aujourd'hui, M. Lukonu vient de le dire, même aujourd'hui, le dialogue politique ne peut pas, n'est pas rompu. Tout à l'heure, j'ai entendu M. Tchien dire, on ne peut pas dire que 28 avril n'a pas existé. On ne peut pas dire ça. Mais après le 28 avril, il y a d'autres voies, il y a d'autres choses. J'ai lu le président Zinsou, enfin le candidat Lionel Zinsou. Hein, je l'ai lu. J'ai été fier de lui, j'étais heureux. J'ai voté bon, pour Zinsou, je n'ai pas peur de le dire. J'ai voté pour Zinsou au premier et au second tour d'ailleurs. Sans le connaître particulièrement, j'ai voté pour lui, pour mes raisons personnelles. Mais je lui ai dit, je l'ai écouté. Et il a dit quoi? Il a dit, j'ai pris acte. J'ai dit que j'étais fier parce que, au second tour, la manière dont il a reconnu sa défaite, j'ai dit voilà ce qu'on attend dans ce pays. Il a reconnu parce qu'il y avait des va-t-en-guerre qui voulaient encore bloquer en ce moment, en 2016. Moi, j'étais heureux que le président Zinsou et le premier ministre aient pu. Et il a rappelé et il dit il faut le dialogue. Ça veut dire quoi? C'est fait. On est dans un système où les règles sont en place. Les règles ont été déployé. Est-ce que les règles ont des failles? Sans doute. Est-ce que le 28 avril bloque tout? Sans doute pas. Est-ce que tout est terminé? C'est non. Donc, il y a des voies. Or, on a eu l'impression que après le 1er avril, que c'était l'hécatombe, on a menacé, on est allé au 28 avril, on a mis une zizanie terrible ce 28 avril, et heureusement, celui qui a dit Dieu aime le Bénin n'a pas menti. Mais il faut qu'on fasse beaucoup attention. Entre le 28 avril et le 1er mai, on a tout fait pour créer le désordre, pour qu'il y ait carrément un désordre, pour qu'on trouve qu'au Bénin, ça ne va pas. On a mis même des scènes étrangères. Déjà, on avait même dit, il y a des textes qu'ils avaient avec à leur portée, alors que certains événements ne sont même pas encore arrivés. La preuve, il y a parlé de plusieurs morts au moment où il n'y avait même pas encore eu l'altercation. C'est-à-dire, je parle du 28 avril. Les gens parlaient de plusieurs morts et blessés, alors qu'il n'y avait même pas encore eu d'altercation. Tout simplement parce que c'est ce qu'ils ont aplani, planifié et envoyé dans les médias internationaux. Très bien, on y reviendra, Agapit Naponoma-Forican, le temps pour nous de pouvoir revisiter ces moments en ce qui concerne le déroulement du scrutin le 28 avril justement 2019. Nous allons pouvoir revenir pour parler de la suite. Ce dimanche 28 avril 2019, près de 5 millions de Béninois inscrits sur la liste électorale étaient attendus pour exprimer leur suffrage. Deux partis politiques étaient en lice, notamment le Bloc républicain et l'Union progressiste. L'opposition ne prenant part aux élections législatives, au cours desquelles les 83 députés seront élus, appelle les militants au boycott du scrutin. Malgré les psychoses et les appels à la violence, le scrutin du 28 avril 2019 s'est déroulé sur toute l'étendue du territoire national. Martel Sakalafia, ministre de l'Intérieur, au soir des élections. Le processus a connu quelques incidents, notamment dans le centre-ville de Parakou, Chaourou, Savé et Gradoué, puis à Banté, Savalou et Manigri, où des individus incontrôlés s'en sont pris au matériel de vote, aux équipements de la police républicaine et à ses hommes, à des biens privés ou à des journalistes. D'autres encore ont entrepris de barrer la route pour perturber, voire bloquer la circulation. Diverses menaces proférées via les réseaux sociaux, notamment,
à l'endroit des citoyens qui se rendraient aux urnes ont visiblement eu l'effet de dissuader certains électeurs d'aller accomplir leurs devoirs civiques. Le président Patrice Talon et son épouse, en bon citoyen, sont sortis voter à l'EPP Charles Guillot. Au lendemain du scrutin, un soulèvement populaire s'est remarqué dans la ville de Cotonou, avec pour conséquence plusieurs actions destructives, une manifestation conflictuelle post-électorale. Nous-mêmes, on a constaté sur les réseaux sociaux que les chauffeurs au niveau du carrefour de Kadiaou vers le domicile du président Yahi, les gens sont repliés et sont rentrés dans le ministère du Travail et de la Fonction publique où plusieurs véhicules ont été incinérés, véhicules de l'État comme véhicules du personnel. On a fait le point avec le CHEPAP tout à l'heure où il y a 9 véhicules qui ont été brisés et 5 véhicules qui ont été incinérés. Dans les 5 véhicules, il y a 2 véhicules appartenant au personnel. Dans le réseau 9 véhicules, il y a 5 véhicules appartenant au personnel qui ont été vandalisés. Vous voyez les impacts du feu ? Vous voyez les impacts du feu ? Donc nous demandons aux politiciens de ramener la balle à terre, que le peuple n'a pas besoin de ça. On sait quand ça commence, mais on ne sait pas quand ça finit. Vous regardez, ça a repris maintenant à Kadiaou et tous les collègues sont descendus, sont en train de rentrer. Ça veut dire que l'administration au ministère du Travail ne fonctionne pas, ils sont en train de rentrer. On ne peut pas leur demander d'attendre, malgré que nous sommes leurs responsables. C'est la vie d'abord, c'est leur vie d'abord. Ils ne peuvent pas attendre. Le ministère du Travail est situé entre le domicile du président Yahi Boni et la présidence. On n'est pas en sécurité. Et dans cette condition, on ne peut pas travailler. Des actes de vandalisme, de violence au cours des législatives de 2019 sort le Bénin de son exemplarité démocratique, des biens de l'État détruits, des journalistes attaqués et des forces de sécurité violentées. Un bilan néfaste pour la paix et la cohésion sociale. Nous revenons sur ce plateau après avoir suivi ces... Oui, ces choses, franchement, ce sont... Tout de même des images insoutenables. Antoine Adokonou, le déroulement du scrutin, déjà le 28 avril 2019, on constate qu'il y a eu perturbation dans 35 arrondissements sur 546 arrondissements. Et puis après, le 1er mai notamment, en ce qui concerne, voilà. Avec des violences. Quel regard, justement, vous portez sur ces choses? Non, c'est un regard de tristesse, comme tout Béninois d'ailleurs, parce que nous n'avons jamais vécu des moments pareils au Bénin. Et nous ne souhaiterions plus que ça continue. Parce que, vous le savez, les hommes politiques vont finir par trouver un dialogue politique, qu'on le veuille ou non. Vous savez, il y a toujours une asymétrie d'information entre les politiques et la population. C'est ce que la population ne sait pas. Ce que veulent ces hommes politiques, ils le savent. Et quand ils l'auront, ils finiront par s'entendre. Malheureusement, celui qui est mort ne reviendra plus à la vie. Celui qui a perdu son bras ne le retrouvera plus. Vous avez vu en Côte d'Ivoire, les mêmes qui se sont associés, Guillaume Soro, Bédi et autres, pour que Gbagbo parte, et qui a eu près de 3000 morts, les mêmes aujourd'hui vont voir Gbagbo pour faire partie Ouattara, alors qu'il y a eu 3000 morts, et ces morts ne reviendront plus. Mais les hommes politiques ont fini par encore se retrouver. Et je crois que parmi les 3000 morts, je n'ai pas entendu qu'un enfant de Gbagbo est mort, un enfant de Ouattara est mort, un enfant de Bédié est mort, un enfant de Guillaume Soro est mort. Je ne l'ai pas entendu. Les crises qui ont eu lieu sur le continent africain, vous avez entendu qu'un enfant de Yadema est mort au Togo pendant toutes ces crises qu'on a connues? Vous ne verrez pas également ici un enfant de Soglo, de Patrice Talon, de Rumbedi ou bien de Yahi, de Rundete, tout cela. Vous ne verrez aucun de leurs enfants partis. Hein. La plupart sont à l'extérieur. Ceux qui sont là, ils auront toujours les moyens. Quand ça va s'enflammer, vrai là, ils vont partir. Mais c'est nous, pauvres citoyens, qui allons rester. Et que malheureusement, demain, les mêmes vont se retrouver à table pour prendre le vin.
Vous voyez aujourd'hui Azanaï et Yaïboni ensemble. Ça ne vous dit pas quelque chose? Si vous référez aux législatives de 2015 à aujourd'hui et que vous voyez Azanaï et Yaïboni ensemble, ça ne vous dit rien? Moi, je voudrais vraiment que les Béninois allument leur cerveau pour ne pas jouer le jeu des politiques. Les politiques que nous sommes, nous savons ce qui nous préoccupe. Je vous ai dit tout à l'heure que ce qui est recherché in fine dans l'élection inclusive, là, si on peut le retrouver dans l'élection inclusive, il y aura la paix. Hein? C'est ça, je vous dis. Donc, l'accord, d'autres accords politiques sont toujours possibles. Et moi, j'invite le gouvernement à jouer le jeu et que l'opposition, ils s'entendent sur un minimum pour que les citoyens ne perdent pas leur vie pour des intérêts égoïstes des politiciens. Si c'est ceux qui se disent qu'ils sont exilés là, si c'est eux qui doivent revenir pour que nous on ait la paix là, ils n'ont qu'à s'entendre entre eux pour qu'ils nous reviennent. C'est ça, si c'est Léari qui doit revenir pour prendre la mairie de Cotonou là, on n'a qu'à lui donner la mairie de Cotonou pour que les citoyens vivent. Moi je suis preneur de tout, hein, sauf les solutions qui sont de nature à empêcher la paix dans le pays. Moi, c'est ma position. Très bien. Agapit Napoléon Maforika, il y a tout de même des sorties depuis quelques jours aussi qui appellent à la poursuite du dialogue national, du dialogue politique. Que ce soit les religieux ou d'autres appellent toujours au dialogue politique. Le dialogue est possible, toujours possible, et vous l'avez également dit. Absolument, le dialogue est toujours possible, mais il faut déjà compatir avec la famille des pauvres citoyens que les politiciens avides donc de pouvoir, les anciens présidents dont l'aura et la personnalité auraient pu nous éviter tout ça. Ces hommes et femmes qui ont été mis devant les situations difficiles et dont certains ont pu laisser leur vie. Je pense qu'il faut combattre aux douleurs des familles, tout en invitant les populations et les parents à savoir garder leurs enfants et surtout à moraliser, à les sensibiliser. Je pense que certaines situations, moi j'ai discuté avec beaucoup de jeunes, on me parle de la loi sur l'embauche, je dis oui mais c'est vrai. Mais au moment où la loi sur l'embauche était votée, très peu en ont parlé. Pourquoi c'est maintenant lors des élections, maintenant que la loi sur l'embauche arrive? On m'a parlé de, on a doublé le prix du péage. J'ai dit, oui, sans doute, nous tous, on en a souffert. Mais le directeur général des infrastructures est passé sur la télévision que je dirige pour dire concrètement ce qu'il voulait dire et les raisons. Mais malgré ça, nous sentons. Mais en ce moment-là, qui est sorti pour est-ce que c'est ça, maintenant, les élections que nous sommes? Non, il ne faut pas qu'on mélange les périodes. J'ai écouté tout à l'heure également M. Chonjian qui parlait du social, quand on a parlé des idéologies de parti. Oui, il y a des problèmes, il y a des situations existent. Les réformes ont créé la zizanie dans certains esprits, parfois sains. Des esprits sains, hein, S-A-I-N-S. Ils sont passés, ce n'est pas des esprits toujours souillés. Les réformes, on sait bien, c'est la zizanie dans ces esprits-là. Ils ne savent pas où on va. Ils sont perdus. Et certains politiciens n'arrivent pas, ne permettent pas de les rassurer. Comme le premier chef de l'État revient là-dessus, pas plus tard que lors des deux ans, son message aux internautes était pour être plus proche de cette génération-là. Ça a été dit, mais ceux qui veulent exploiter la situation actuelle à leur fin ne manquent pas d'exploiter ça. Ce qui s'est passé à Parakou, le 28, hein, à Tchaourou, à Savé, c'est pas possible, c'est pas normal. On peut plus faire ces choses-là. Et qu'on ne dise surtout pas que c'est la population, c'est des gens qu'on a armés, qu'on a drogués et qu'on a envoyés. Il y a sans doute parmi la population des gens qui sont mécontents. Il y en a qui ne sont pas sortis pour exprimer leur mécontentement. Mais ce n'est pas eux qui ont brûlé. Ce n'est pas eux qui ont cassé. Ce n'est pas eux qui menacent. Ce n'est pas eux qui ont détruit le matériel de vote. Ce n'est pas eux. Parfois, c'est des badauds, c'est des gens qui n'ont pas l'âge de la majorité. Donc, il ne faut pas qu'on mélange. Parce qu'on mélange, demain, quand les gens vont prendre le pouvoir, eux-mêmes, comment ils vont gérer? J'entends les gens dire, les militaires au pouvoir, mais quels militaires au pouvoir?
Mais si, même si le militaire prend le pouvoir, c'est Yahi qui va reprendre le pouvoir. C'est Seguro qui va reprendre le pouvoir. C'est Mondete qui va prendre le pouvoir. On ne peut pas prendre le pouvoir par la rue. On est en démocratie. Et si le militaire prend le pouvoir aujourd'hui, la constitution que les gens réclament là n'existera plus. La constitution qu'on ne peut pas amender là n'existera plus. Tout va tout sauter et personne ne peut dire quelle est l'issue qu'il se donne lui-même. On n'est pas au Burkina où le pouvoir est usé par 28 ans. Hein? On n'est pas au Soudan où le pouvoir est usé par 30 ans. Non, on est au Bénin. On est au Bénin où il y a un ordre constitutionnel, où un président est en place depuis seulement 3 ans, où il assure la régularité des élections et dans le temps imparti. Donc, les gens n'ont qu'à garder leur calme s'ils veulent faire un déco avec Patrice Talon. C'est dans les urnes que ça peut se faire. Il faut attendre le temps de moi venir. C'est tant qu'il serait candidat, mais ils vont l'affronter. Ensuite, sur le plan politique, il y a plusieurs moyens. Mais que les gens utilisent les enfants comme les armes de guerre, en les sortant, en les droguant, en les mettant sur la place publique, en leur demandant d'aller commettre des crimes, brûler, casser. C'est pas ça la démocratie. Et c'est ça. Et quand vous écoutez le président Seguro encore, après le président, vous écoutez encore tout récemment, le Talon doit partir. Mais c'est pas possible. On ne peut pas dire ça. On ne doit pas dire ça. Et surtout, pour un ancien président ne doit pas dire ça. C'est pas parce qu'on est pro-Talon, on est contre Talon qu'on doit dire. Non, on ne doit pas le dire. Parce que le dire n'est pas de l'éducation qu'on fait. Le président Talon est couvert par un mandat. Si un chef d'État doit partir, les citoyens peuvent manifester et dire ça. On peut comprendre qu'ils sont dans leur... Mais quand un ancien président de la République dit que son successeur, l'un de ses successeurs, doit partir, mais on est dans quelle posture? Et après, quand il parle, qui va venir et dans quelle mesure ça va venir? C'est la rue. Il faut se méfier des pouvoirs qu'on gagne par la rue. Donc, moi je pense que ce qui s'est passé du 28 avril au 1er mai ne doit plus se passer chez nous. Ne doit plus parce que ce 28 au 1er mai, il n'y a pas eu coup de feu. Mais il y a eu casse. Ce 1er mai, il y a eu casse. Il y a eu des situations de danger grave. Et puis après, il y a eu l'intervention de l'armée. Mais imaginez que l'armée n'intervenait pas. Qu'est-ce qui allait se passer? Si l'armée n'appuyait pas les forces de sécurité publique, la police républicaine, parce que visiblement, la police républicaine n'arrivait pas à contenir, visiblement, avec leur posture. Donc, si ça, qu'est-ce qui allait se passer dans le pays? On aurait d'abord fini de brûler Cotonou, avant que les gens n'aient... Alors, à partir de ce moment, c'est là que la sensibilisation, quand on récupère les enfants et qu'on fasse l'effort de ne pas les laisser aller libres. Parce que certains, dans la foulée, ont envie de stériliser de vieilles rancœurs, régler de vieux comptes, et c'est ça qui en amène à là où on a été. Donc, normalement, quand on a passé ce 1er mai, ce que j'ai entendu du président Seguro hier, on devait samedi 4 mars, 4 mai, on ne doit plus entendre ces choses-là. Parce que l'Union africaine a appelé au dialogue. L'Union européenne a appelé au dialogue. La CEDEAO et le bureau des Nations Unies pour l'Afrique a appelé au dialogue. Mais c'est-à-dire qu'ils ont appelé au dialogue, mais que ces présidents-là gardent un peu de temps et attendre les propositions et attendre les éléments du dialogue. Mais en allumant comme ils allument, ils n'aident pas à la paix, ils n'aident pas au règlement de la situation. Ils enveniment, ils encouragent l'insurrection. Ils sont à la base de l'insurrection. Ce n'est pas normal. Donc, voilà la demande. Je pense que le message doit être clair. Nous, les élections ont eu lieu. Moi, je connais des gens qui n'ont jamais parlé du taux de participation. Mais subitement, le taux de participation est devenu... Aujourd'hui, tout le monde commence par dire « Ah, taux de participation, taux de participation, taux de participation. » C'est heureux. Mais depuis quand? Il y a des gens qui ne sont jamais allés voter. Parlent même du taux de participation. Mais que, comment? Non, ils ont peut-être raison. Ça, c'est des situations politiques à régler. Je dis, c'est des situations politiques auxquelles il faut trouver sans doute des réponses politiques. Mais cela ne donne pas la caution à la violence. À ce que nous subissons. Et ça ne donne pas la caution à un coup d'État civil comme militaire, demander que tel président quitte son mandat alors qu'il est encore couvert,
c'est faire l'apologie du coup d'État. Et qu'il soit civil ou militaire, dans un régime démocratique, le coup d'État est à proscrire. Donc, ça, on doit d'abord le dire. Ensuite, que le président Talon écoute le peuple, écoute les appels au dialogue, écoute ça. C'est lui qui est élu. Il a son mandat. Il sait ce qu'il devait en faire. Il lui reste, il a déjà fait plus qu'il ne lui reste. C'est à lui d'analyser le reste du mandat, de tirer les conséquences un peu des différentes situations. Mais si c'est chacun qui doit donner des ordres au président élu, au président en fonction, mais finalement, quel bilan il va donner, c'est le bilan de tout le monde, il va faire, ou c'est un bilan de son mandat à lui. Donc, ouais, l'un dans l'autre, il est important que les personnalités qui ont de la voix essayent de suivre la ligne tracée par l'Église catholique et certaines autres organisations. Je pense même que le collègue des Alphas aussi avait déjà appelé à la paix. Mais l'Église catholique allait plus loin en proposant sa médiation. Donc, après du moment où l'Église propose sa médiation, normalement, on doit prendre. Vous voyez, les présidents, ils sont devant, ils vont prendre la communion. Ils sont devant, ils font l'écriture. Mais quand aujourd'hui, la confession, le religieux dans laquelle on dit, gardez le calme, normalement, si vous croyez en l'Église et à ses responsables, vous devrez respecter. Et maintenant, ouvrez la voie, ouvrez votre cœur au dialogue et peut-être voir ce que tout ça va donner. Voilà un peu. Donc moi, je salue l'Église catholique pour son rôle depuis que cette crise a commencé. Et au-delà de l'Église, toutes les confessions religieuses qui ont toutes les bonnes volontés, les personnalités. Encore hier, le collège des pasteurs. Voilà. Donc, les confessions religieuses, dont je parlais de confessions religieuses. Donc, tous ces groupes qui œuvrent pour la paix et demandent aux anciens présidents Yahya et Soglou d'aller dans cette direction. C'est ce qu'on peut attendre d'eux. Et quand on le dit, c'est pas qu'on leur manque. C'est ça qu'on peut attendre d'eux. Parce que là où ils veulent nous conduire, là, et ça ne va pas les embraser peut-être, mais ils auront des contre-coups, même dans leur propre famille. Parce qu'on ne peut pas savoir dans Cotonou qui est qui, dans Parago qui est qui, dans Tchaourou qui est qui, dans Porto qui est qui. Donc, il faut saluer ceux qui appellent la paix et demander aux autres de faire l'effort de la retenue et l'effort du respect des institutions de la République. C'est ça qui garantit la sécurité de tous. Très bien. Antoine Aloukounou, pour finir. Non, pour finir, je voudrais toujours inviter la population à être plus vigilant, à ne pas aller dans le sens que leur indiquent ces anciens présidents de la République, que je qualifie aujourd'hui de chefs de file de l'opposition, qui ne sont plus dans la posture d'anciens présidents. Et que les populations doivent savoir que, au terme du processus, que les politiques trouveront toujours un accord politique. Ça, je vous le dis et vous le verrez. Hier, c'était le 4 mai, on se souvient encore. Le 4 mai 2015. Voilà. Ils sont aujourd'hui ensemble. Ils sont ensemble, non? Vous voyez, non? Donc, 4 mai, jour pour jour, vous avez vu que Azanaï et Yahya Boni sont ensemble. Si quelqu'un avait perdu sa vie dans ce conflit-là, c'est que lui, il est là-bas et les deux vont prendre le champagne ensemble. Donc, moi, je ne vais jamais donner ma vie en rançon pour un politicien. Pour mon pays, oui. Mais je sais faire la nuance entre les intérêts de mon pays et les intérêts des politiques. Je voudrais inviter le chef de l'État à aller vers le dialogue, à accepter plus le dialogue en ces moments. Parce que c'est des moments très difficiles pour lui, mais il est obligé de le faire. Je vous ai dit tout à l'heure, élections inclusives. Si on a les élections inclusives, c'est pas pour croire, c'est pour faire quelque chose qu'on cherche les députés. Si on peut trouver autrement la chose, dans le dialogue, qu'ils s'entendent. Pour que, si c'est ceux qui allument le feu là, si c'est eux qu'on doit voir pour les mettre dans les conditions qu'ils veulent, puis nous-mêmes on est très informés. Nous sommes sur un plateau de télévision. Il faut pas. Nous ne pouvons pas quitter ici, la HAC viendra fermer une télé. Donc nous restons dans les marges qu'il faut. Donc nous avons beaucoup d'informations. Donc que le dialogue se poursuive et qu'on trouve intérêt d'entente. Même un gouvernement,
d'union nationale, comme les gens le disent, si c'était le prix à payer. Je crois que. Parce que c'est à cause des intérêts qu'il y a tous ces problèmes-là. Bon, je ne suis pas le chef de l'État. Ils vont dire tout de suite qu'ils ont demandé de rien. Dans tous les cas, je pense que trouvons une formule qui empêche d'aller dans le sens de la guerre, dans le sens d'offrir en victime des innocents qui ne comprennent rien. Je pense que les parents ont un grand rôle à jouer dans la maîtrise des jeunes. Également, les parents ont un grand rôle à jouer. Les confessions sont fondées à leur travail. Il faut que les gens retiennent leurs enfants. Retiennent. Il faut qu'on laisse les gens, on les convoie vers des lieux, on les drogue, on leur donne des trucs à boire. C'est pas normal. Donc, et puis, je pense qu'il faut que nos frontières soient mieux suivies également, parce que il y a beaucoup de choses qui se passent. Et quand, moi, je vais dénoncer, parce que c'est des choses à dénoncer. On peut pas utiliser le mercenariat, par exemple, pour régler les problèmes liés aux élections ou bien des problèmes d'intérêt personnel. Or, aujourd'hui, il y en a qui ne font pas dans la dentelle, dans l'usage du mercenariat. Il faut qu'on dise non à ces choses-là. Et quand on le dit non, ce n'est pas qu'on manque de respect, je le dis toujours. Mais le pays nous appartient. Quand on va le détruire, qui va le rebâtir? Les trucs brûlés, il faut bien dépenser de l'argent. C'est l'État qui va payer. C'est l'État. Alors donc, ça veut dire que comment on veut aller au développement quand on va laisser les gens casser tout? On vous menace, on dit on va brûler, si on va brûler, ça veut dire vous brûlez. Mais c'est l'État qui va reconstruire. C'est l'État qui va reconstruire. Et l'État, c'est les sous, c'est l'argent du peuple, du pays. Et ça, c'est quel développement on est en train d'y aller. Je pense qu'il faut que les gens sachent raison garder. Aucune situation ne mérite qu'on aille brûler, qu'on aille casser. Ça c'est bon de dire. Ensuite, c'est normal qu'on aille au dialogue. Mais le dialogue, il faut être deux pour le faire. Il faut déjà que les gens soient deux pour le faire. Si on était sur le consensus de 13 mars, était resté, on ne serait pas là aujourd'hui. Peut-être qu'on serait parlé aux élections, peut-être qu'on serait en train de rire, de rigoler, de parler des événements passés, en disant, enfin, on a trouvé. Mais les gens sont revenus sur ça. Donc, il faut dire qu'ils donnent leur... Ils attendent quoi, même, clairement? Il faut qu'ils disent. Non, c'est peut-être ce qu'ils veulent, mais il faut qu'ils disent clairement ce qu'ils veulent. Parce que s'ils se cachent derrière le peuple, et ils font ce qu'ils font, et vous leur donnez quelque chose qu'ils n'ont pas demandé, ils vous diront, je n'ai pas demandé. Voilà. Donc, il faut que il soit en mesure même de dire. C'est pour ça que je dis que il faut vraiment que les structures comme l'Église qui ont commencé, la média ou qui s'offrent, se poursuivent et que on oblige maintenant les anciens chefs d'État à rester dans leur posture dans ces chefs d'État. Maintenant, s'ils veulent se transformer en chef de guerre, qu'on les traite également comme tels. Très bien. Merci beaucoup à vous, Agapite Napoléon Mafouricant, consultant politique à ETL. Merci à vous, Antoine Adoukounou, acteur politique. Merci pour ces moments d'échange. Et donc, c'est fini pour le décryptage de cette semaine. Merci de nous rester toujours fidèles. Vous suivrez tout juste après nous le journal de la mi-journée.